Salut à tous et à toutes. Vous le savez, face au pouvoir des banquiers, il y a deux grands types de familles en politique, celles qui ont des comptes en Suisse et puis celles qui ont des comptes en Suisse. Nous, au nouveau parti anticapitaliste, on fait clairement partie de la première catégorie. Ça veut dire que sans vos dons, on n'a pas les moyens de mener une activité militante quotidienne au jour le jour. Ces dons, c'est l'occasion justement de nous les faire parvenir dans le cadre de la souscription. Il reste que quelques jours jusqu'à la fin de l'année. Que vous partagiez ou pas l'entièreté de nos propositions, dès que vous pensez qu'on est d'une manière ou d'une autre utile à la vie démocratique de ce pays, faites-le nous savoir. Il y en a même peut-être qui ont parfois du mal à nous supporter, mais qui finalement auraient du mal à se passer de nous. Ceux-là aussi et celles-là, faites-le nous savoir par le biais de la souscription. Il me reste aussi à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Profitez des fêtes pour faire le plein d'énergie, pour remplir les batteries, et puis vous dire que dès la rentrée, je dis bien dès la rentrée, il va falloir remettre les couverts pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, cette fois-ci, en l'occurrence jusqu'à l'obtention de nos revendications, plus se contenter de parler simplement du pouvoir d'achat, mais d'augmenter clairement les salaires, les revenus, les allocations, les pensions de retraite, d'indexer les revenus sur les prix, puisque tous les prix augmentent, tout sauf nos revenus, il faut les indexer, et puis prendre l'argent là où il existe, c'est-à-dire sur les profits de ces grandes multinationales qui se gavent de profits sur le dos de la population, qui polluent, qui, les meilleures années, ne payent pas d'impôts. Sur notamment les bénéfices des sociétés et qui, en prime, touchent l'argent du contribuable par le biais du crédit d'impôt compétitivité emploi, je pense évidemment à Total, par exemple. Donc dès la rentrée, il faudra remettre les couverts, aller jusqu'au bout et puis faire en sorte qu'on remette à l'endroit cette société qui tourne à l'envers et le faire tous et tout ensemble, c'est-à-dire être encore plus nombreux. Vivement 2019 pour le faire.